Lui qui enrichit les autres s'appauvrit, car il adopte la pauvreté de ma chair pour que moi, je m'enrichisse de sa divinité. Lui qui est plénitude s'anéantit. Il se dépouille de sa propre gloire pour un peu de temps, afin que moi, je participe à sa plénitude. Quel trésor de bonté! Quel grand mystère en ma faveur! J'ai reçu l'image de Dieu et je ne l'ai pas gardée. Le Verbe a participé à ma chair afin de sauver l'image et de rendre la chair immortelle. Il s'unit à nous par une deuxième union, beaucoup plus étonnante que la première. Il fallait que l'homme soit sanctifié par un Dieu devenu homme. Après avoir terrassé notre tyran, il nous délivrerait et nous ramènerait vers lui par la médiation du Fils pour l'honneur du Père. C'est ainsi que le Fils se montre au béni.